Gino. Ma fille alors. Les filles, comme d'habitude, votre table est prête. Merci. Merci. Et voilà, Mia Poupa. Merci. Et... Il faudrait un quatrième menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Ma que Richard? C'est les garçons avec la tête des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui c'est... Alors c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui c'est Franck, perdu. Richard c'est notre voisin, l'homme idéal, pas vraiment? Oh, Lou. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard, je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. En fait, pas vraiment. Ma si, suivez-moi, en route pour une visite guidée spéciale, Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Fallait s'y attendre, c'est son rituel, il l'a fait à tous les autres. Waouh, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide. Oui, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De Mia Poupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Ah, por miseria! Ma qu'est-ce qu'elle vous trouve? Pourquoi je... C'est quoi ce look? Regardez-moi ça! On dirait un gilet en peau de mouton morto. C'en est un. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard d'abord? La première fois que tu l'as croisée, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était... un peu comme Lou maintenant, là. Hey, c'est pas Tristan, là? Mais si! Le jour J du premier contact est arrivé! Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler! Te dégonfle pas! Lamentable! Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une hôtesse. Et je joue aussi de la contrebasse. Désolé, ça ne va pas coller avec Poupa! Vous êtes trop... farabuto! Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien! Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, finis la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria! Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant. Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé l'accueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, c'est une pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidera, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller. Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, serre des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite et être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'était votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici, hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermés. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito.
Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard, vous êtes là? Ouh! À l'aide! Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! C'est bien ce que je disais, Farabuto, si! Alors, Gino et Richard? Introuvable, la porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis. Génial, à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera d'eux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletanas en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletanas pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une, chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez ma cocotte, courage, apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mirette! Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne. À la demain, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire. Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais là, t'avais escaladé toute la montagne, t'avais les neiges éternelles à portée de main, hein? Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Eh oh les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot! Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolé d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi, je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger. Mais Poupa, c'est comme Mia Bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise, une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh ben, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Bah, je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous les poids de son bonheur présent. Hein? Vous connaissez les poèmes italiens du 14e siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Madame Evra. Ben vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi, je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. OK? Oui, chef. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Boubou n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino est de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Si c'est gratuit, alors... Ah si, Boubou.
Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Tout a mis du guacamole dans la pizza mexicaine. Ben oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Ben, le guacamole, ça vient du Mexique. Re-salut. Tu t'aurais pas trouvé mon médiator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Bon, bah, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut. Yeah! À toi la semaine de lessive, ma louloute. Pas de problème. De bord du Zixornufle. Dérivons dans le vide sidéral depuis maintenant 8 jours. Le moteur est définitivement grillé. L'espoir que j'avais de le réparer m'a abandonné. C'était Sidera, baroudeuse du cosmos, commandant et unique membre d'équipage du Zixornufle, présentement à la ramasse. Coucou, je te parle là. Qu'est-ce que tu fais? T'es en pleine inspiration? Bof. Le moteur du Zixornufle est à plat. Ah ouais, je vois. C'est pas toi qui serais un peu à plat, plutôt? Ouais. Oh! Je sèche un peu sur mon roman. J'ai pas d'idée, je tourne en rond et du coup, ça me pompe mon énergie. Et sans énergie, eh ben, j'ai pas d'idée. Ok, ok, ok. J'ai saisi le concept. J'imagine que t'as besoin d'un déclic, d'une étincelle. Allez, Jean-Pascal, fais la toupie. Recule. Passe entre mes jambes. Fais le beau. Allez, avance. Saute. Tu sais quoi? Tu es vraiment désespérant. Salut, Lou. Dis-moi, il sait faire des tours, ton chat? Bah, il peut se lécher le dos et mettre ses pattes au-dessus de ses oreilles, mais à part ça, rien de très spectaculaire. Ouais, ok. Sinon, quoi de neuf chez toi? Déprime totale, ma mère est en pyjama, tout amorphe. Ouah, t'en as de la chance. Mina chérie, tu viens avec moi faire un squash? Deux secondes, maman. J'arrive. Ta mère, faut la sortir, Lou. Quelle voix du monde. Tu crois, toi? Ouais. Et ton nouveau voisin, le fameux prince charmant? Ça pourrait la motiver d'avoir un amoureux. Peut-être. Mais concrètement, je fais quoi? T'organises un plan coup de foudre. Tu veux dire comme dans un téléfilm romantique? Pareil. Ils se rencontrent, soi-disant, accidentellement. Et là, paf! Coup de foudre. Ok, je vais essayer. Après tout, j'ai rien à perdre et moi, je déborde d'énergie. Bon, je te raconterai. À plus, Mina. Allez, Jean-Pascal, vas-y, fais-moi voir comment tu grooves. Allez, bouge ton corps. Go, go, go! Alors, les idées, ça fuse? Ouais, je suis à fond là. Ouais, t'as l'air. Et moi par contre, j'ai une super idée. Si on faisait un gâteau? Oh,
Bah zut, c'est la misère ça. On n'a ni œufs, ni beurre, ni crème. Ni sucre, ni farine, ni levure. Bah, on va pas aller loin avec ça. Bon sang, mais je suis nunuche moi. On n'a qu'à aller chez le voisin. Il va se faire un plaisir de nous dépanner. Ça se fait, non, entre voisins? Maman. Allez, allez, allez. Une bonne douche et ça te donnera la frite pour faire notre gâteau. Mais quel gâteau? J'ai pas du tout envie de faire un gâteau. Très bien, on va trouver autre chose. Bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, hein? Voilà, voilà, j'arrive. Tiens, salut petite voisine. Tu tombes bien, je voulais te remercier de m'avoir aidée pour mon emménagement. Oh, c'était rien. Au fait, je m'appelle Lou. Enchantée, moi c'est Richard. Richard, j'adore. Waouh, c'est trop romantique. Quoi? Hein? Non, rien. Dis, tu t'y connais en électricité? Voilà, c'est cette lampe. Elle a fait paf d'un coup et après pouf, plus de lumière. C'est l'ampoule qui a grillé, quoi. Il faut la changer. Oh, ça doit être drôlement compliqué. Il suffit de dévisser l'ampoule grillée et d'en visser une neuve à la place. Je vais jamais y arriver, hein, c'est sûr. Donne-moi une ampoule neuve, je vais le faire. Génial. Une seconde, le temps d'aller à la salle de bain. Oh. C'est là que on range les ampoules. Ok. Maman! Maman! Mais... j'avais dit une douche, pas un bain. Allez, sors de l'eau, faut que tu t'habilles, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis hyper bien, ma louloute, je me détends. En sortant, j'aurai la frite, tu vas voir. Bon, ben, désolé, on est à court d'ampoule. C'est pas grave, je repasserai quand tu en auras acheté une, ça va? Ok, ça marche. C'est bon, j'ai une ampoule neuve. Et moi, j'ai un gros paquet de linge sale. Je passerai chez toi, en revenant de la laverie. Maman? Maman, je... Bah, maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Fini le bain relaxant. Allez, te laisse pas abattre, je vais tout ranger. Et toi? Pendant ce temps-là, tu vas aller à la laverie sécher tout ça. Quoi? Mais je... Tu préfères rester ici et tout nettoyer? Jean-Pascal, et prends-en de la graine. Hey, alors, ça avance l'histoire d'amour de ta mère? Écoute, il y a eu quelques imprévus, mais à l'heure qu'il est, elle doit être en train de plier des culottes en papotant avec Richard. Waouh! Meuvla, je viens pour réparer la lumière, comme promis. Génial. T'es tout seul? Tu sais, pour changer une ampoule, je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, t'as croisé personne à la laverie? Bah non, pourquoi?
Oh, pour rien. Ma mère devait y aller aussi. Non, non, j'ai vu personne, désolé. Oh. Attends-moi, je reviens. Mais, et l'ampoule neuve? Sur le bureau! Maman, allez, réveille-toi maintenant. Hein, quoi? Oh, Lou, ah ben ça alors. Quel rêve. Figure-toi qu'une sorte de jardinier en guimauve m'accusait de lui avoir volé son emmental, hein? Et à ce moment-là, il m'a attaché avec des saucisses. Et il m'a menacé en pointant un savon de Marseille pour me faire avouer. Il est parti. Qui ça? Non, j'en ai assez. Waouh, dis donc, t'as vu? La lampe s'est réparée toute seule. Oh, je vois une louloute qui n'a plus d'énergie tout d'un coup. Tu sais ce qu'il te faut à toi? Un coup de foudre? Ah, non, une gaufre au parc. Hey, Mina. Alors, ta mère et le voisin, ça marche ou pas finalement? Non, la vie, c'est pas aussi simple qu'un téléfilm romantique, hein. Je croyais que tout allait super bien, qu'ils pliaient des culottes ensemble. C'est ce que je croyais. Mais en fait, ils ont fait que se croiser toute la journée. Et sans se voir. Ah ouais, bah cool. Attends, il se passe un truc, je te rappelle. Vous savez, moi, j'adore me promener dans ce parc. Je vous verrai si vous serez amené à... J'en suis sûre. Je te présente Richard, notre nouveau voisin. On se connaît déjà. Lou m'a appelé au secours pour changer l'ampoule de votre bureau. Ah, alors c'était vous. Vous êtes bricoleur en plus. Oui, enfin, je sais changer une ampoule, quoi. Mais c'est génial, ça. Je pense que je vais faire souvent appel à toi. À vous. Et vous savez où me trouver? Bon, ben, à plus. À plus. Et voilà l'histoire, il y a eu coup de foudre. Comme dans un téléfilm romantique? Exactement, tout pareil. Et maintenant ma mère écrit mais comme une dingue, elle a jamais eu autant d'énergie. Chérie, prends ton maillot de bain, il y a nocturne à la piscine du club. Je vois tout à fait le genre. Bon, allez, je te laisse, à demain. Prince Fulgor, besoin d'aide étrangère? Je suis Sidera, baroudeuse du cosmos. Mon vaisseau est en panne depuis 9 jours. Rassurez-vous, je suis un peu bricoleur. Génial. Je sens que je vais souvent faire appel à... Dorénavant, vous saurez où me trouver.
Le jour où j'ai parlé à Tristan pour la première fois, il a plu toute la journée. Ma robe ressemblait plus à rien, mes cheveux non plus d'ailleurs. J'étais trempée jusqu'aux os. Mais c'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Quand il m'a donné son numéro de téléphone portable, j'avais les mains toutes moites. Heureusement, tout s'est bien passé. La honte, sinon, quand on échange son numéro de téléphone, c'est un peu comme un mariage, non? Et maintenant, tu comptes t'en servir ou tu vas l'exposer dans un musée? Ben oui, y a pas le feu non plus. Et puis c'est pas à moi de l'appeler en premier, hein. Je suis une fille, ça ferait trop, ça ferait trop quoi. Eh ben trouve un prétexte pour l'appeler alors, un truc qui fasse pas trop comme tu dis. Je sais, il aime la musique. Je vais lui laisser un message musical. Ah ouais, ce sera hyper romantique. Main? Ouais, on arrive. Ta mère dîne avec nous. Quoi? Ne t'inquiète pas, Mina chérie, je ne suis pas venue pour te ruiner la soirée. En revanche, ton père, lui, n'a pas hésité à gâcher la mienne. Vous vous êtes disputée, c'est ça? Non, ton père a eu la gentillesse de me dire que j'étais une psycho-rigide maniaque de l'organisation. J'ai donc décidé de prendre du recul pour réfléchir à cette pertinente remarque. Ouais, ok, c'est bien ce que je dis, vous vous êtes disputée. Bon, je voulais préparer un bœuf bourguignon, mais je n'avais ni bœuf ni bourguignon. Alors, c'est spaghetti party. Ouais! Oh, des spaghettis, comme c'est amusant. Robert n'a aucun sens de l'organisation. Imagine, il refuse de ranger ses vêtements par ordre alphabétique. Dingue. C'est comme pour les placards de notre cuisine, figure-toi qu'il met toujours tout en vrac. Chez toi, je suis sûre que c'est hyper bien rangé, hein? Ouais, c'est pas ça non plus. Oui. En fait, niveau organisation, je suis pas très bonne. C'est étonnant. Mais alors, comment fais-tu pour écrire efficacement ton roman? C'est-à-dire que j'écris pas très efficacement, justement. Ne m'en dis pas plus. Je sais ce qu'il te faut pour retrouver ton énergie. Des nouveaux jeux vidéo? Non, un coach. Choix de la chanson. Alors là, attention, s'agit de pas se tromper. Voyons, le téléphone sonne de Jean-Jacques François. Oublie, c'est un vieux disque de ma grand-mère. Attends, Stacy G, j'ai grave besoin d'amour. Mais t'es dingue ou quoi? C'est trop clair comme message. Oh! Bon, alors, ça y est, j'ai trouvé. Écoute-moi cette merveille. Oh. Bouffi! Les jeux vidéo avant de dormir favorisent les troubles du sommeil. Mais pas de discussion. Allez, hop, au lit. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son coach? Pitié? Non, on lui dit merci de veiller sur mon précieux sommeil. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je t'attends à la cuisine. Oh! Petit déjeuner macrobiotique, c'est parfait pour l'inspiration. Tofu au céleri, pain au céleri et fromage blanc... Au céleri. Non, nature. Tu as 5 minutes pour manger. Enfin, là, tu n'as plus que 4 minutes 35. Au programme, tu écris de 7h à midi, 2 pages par heure, avec une petite pause de 5 minutes à 10h. Je ne suis pas un bourreau tout de même. Allez! Et médite cette pensée de Maître Kato. Ne gagne pas après avoir frappé, mais frappe après avoir gagné. Prête? Prête. Hey, salut, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou. Tu sais, la fille sous la pluie, là, tu te souviens? En fait, j'ai découvert une chanson géniale que j'aime bien et je voulais te la faire écouter, quoi. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que je croyais que c'est pas vrai! Mais quelle croûte débile, ce chat! Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Votre message a bien été enregistré. Vous pouvez raccrocher. Non!
Lou, je t'en prie, sors de cette malle. Non, plus jamais. Tristan n'a pas pu écouter ton message à cette heure-ci, il est encore au water polo. Alors on va aller à la piscine, récupérer son portable et effacer le message. Ni vu, ni connu. Tu crois? Ça y est, il est là, je le vois. Oh là 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 là, il est trop beau avec son bonnet. Regarde plutôt son poignet, voir s'il a sa clé de vestiaire. Ben, il bouge tout le temps les bras, c'est pas évident. Hein. Pff, en tout cas, je vois pas de clé. Laisse tomber, ça sert à rien. Attends, il l'a peut-être laissé sur les gradins, avec sa serviette, par exemple. Pff, je vois rien d'ici, faudrait que j'aille au bord du bassin, mais il va me reconnaître. Bah, pas forcément. Hein? Vas-y, passe. Alors, dites donc, faut pas vous gêner. Non, mais c'est parce que on avait besoin pour la clé. Enfin, je veux dire, je pouvais pas. Désolée, madame. Vous là, mon casier, faut pas vous gêner. Comment ça, votre casier? Casier numéro 9. Ah, ben oui, je me suis trompée. Tenez, redésolée. Bande de jeunes, va. Je vais au marché bio. On va manquer de céleri. N'y pense même pas. Dommage pour toi, il manque les piles. Hein? J'ai pris les dés, c'est pas l'heure du tripot. Au boulot. Aujourd'hui, à 9h47. Hé, c'est Lou. Tu sais, elle a tapé 1 pour rappeler votre correspondant. Lou, ils ont fini de jouer. Faut aller remettre la clé sur la serviette de Tristan. Allez, grouille. Nous n'avons pas compris votre demande. Tapez 1 pour rappeler... Nous n'avons pas compris votre demande. Encore vous? Non, mais vous allez me laisser tranquille à la fin. Rendez-moi ma serviette. C'est moi. Je t'ai ramené du céleri et plein d'autres choses hyper saines. Tu as fini tes pages? Je peux les lire? Je t'en prie. Tout va bien, Joss 41? Affirmatif, réorganisation du vaisseau achevée. Parfait, on va passer en vitesse lumière. Allons-y. J'ai pris la liberté de réorganiser le tableau de bord. Pour enclencher la vitesse lumière, il faut désormais utiliser le levier du pilotage automatique. Pour lancer le bouclier à neutrons, il faut se servir des manettes des moteurs auxiliaires. Le système de reconnaissance spatiale se trouve... Sympa. Je fais tout pour t'aider, et c'est comme ça que tu me vois, comme un insupportable robot que tu largues dans l'espace. Non, enfin, je veux dire... Oui, bah quoi, reconnais que parfois t'es un poil maniaque, non? Heureusement qu'il y a des maniaques comme moi pour assister des adolescentes attardées comme toi. Et heureusement qu'elles sont là pour t'héberger, les ados attardés. Franchement, j'ai rarement passé une aussi mauvaise journée. C'est lui. Qu'est-ce que je fais? Bah, vas-y, décroche. Allô? Ah, tiens, salut. Mon message? Ah bon? Ah, génial. Oui, c'est sûr. Ok, bye.
C'est fou, il a eu mon message et il l'a trouvé rigolo. Ah, tu te rends compte? Il m'a trouvé drôle, oh c'est magnifique. Attends, tu crois qu'il me voit comme la bonne copine rigolote? Non. Si, 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 c'est ça, je l'ai bien senti à son intonation de voix. En fait, je passe pour le clown de service, quoi. Stop, cette fois, ça suffit. Tu vas l'appeler, lui faire écouter ta chanson et basta, ok? Ok. Coucou. Hein? Ça va? Tu fais quoi? Rien, je... ben... rien. C'est quoi ces gommettes? C'est un petit classement avec des indices de couleurs. Bleu pour les jeux vidéo de combat, vert pour les jeux de sport et rouge pour les jeux de stratégie. Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule gommette rouge. Ok, je suis peut-être un petit peu maniaque. Et moi, je suis peut-être un petit peu désordonnée. Désolée de m'être fâchée contre toi. Oh, désolée aussi. Au fond, t'es un bon coach. D'ailleurs, j'ai réussi à écrire mes pages. Hein? Mais faut pas trop te mettre la pression, si j'ai bien compris. T'es prêt? Oui. J'y vais. Écoute. Oui, il m'aime à la folie. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un rideau. Mina, c'est une catastrophe. Arrête, je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Peut-être que le soleil le gêne. Mais il est couché, le soleil. Ok, mais ne commence pas à déprimer, hein. Et si ça se trouve, il lui joue un morceau de guitare. Oh, oh non, j'imagine la scène. Elle l'écoute, elle est sous le charme, elle s'approche de lui et elle... Oh, c'est officiel, je déprime. Mais enfin, Lou, réfléchis un peu. Tristan et Solène, ils ne sont pas dans le même monde. Elle, ce qu'elle aime, c'est le rouge à lèvres pailleté et les potins de star. Elle fait aussi du karaté, je te signale. Ok, mais avant tout, elle adore les soirées pyjama. Mina, t'es géniale, hein? Je t'expliquerai plus tard. Hé, hey, Lou, t'es là? Oh, Lou! Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau! Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Tiens, prends ça, toi! Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis. Et ça, c'est pas bon à mon âge. Oui? T'as cru m'avoir, hein, tête de poule. Donc, j'ai décidé d'inviter les filles de ma classe à une soirée pyjama. Yes! Je t'ai eu, gros naze. T'es d'accord? Hein? De quoi? Une soirée pyjama? Oui. Et c'est une super idée, ça. On pourra faire des pop-corns au micro-ondes et regarder un film d'horreur et... Maman, les soirées pyjama, a priori, c'est sans les adultes. Ah bon? Je t'en supplie, Loulou, t'invite-moi. Je me ferai toute petite. J'ai toujours rêvé de participer à une de ces soirées. S'il te plaît, s'il te plaît.
plus. Mmh. Bon, alors, c'est quoi déjà au juste mon idée géniale? Voilà, j'invite Solène à une soirée pyjama et au cours de la soirée, on joue à Action Vérité. Et là, je lui pose la question. Que faisais-tu chez Tristan jeudi soir? Et elle est obligée de répondre. Tadam! Sauf si elle choisit Action. On lui laissera pas le choix. T'as raison. Ce plan est totalement génial. Reste à l'inviter. Il y a vraiment des jours où je m'épate, moi. Voilà, tu sais tout. C'est marrant. Je savais pas que tu aimais les soirées pyjama. Ben, en fait, si. Alors, Solène, ça te dit? Moi, je trouve que c'est une super idée. On n'avait rien prévu samedi. Mais c'est-à-dire que je pensais... On arrivera vers 8h, hein, les filles. Ouah, génial, une soirée sans adultes. Sans adultes? Je pensais que... Ne nous dis pas qu'il y aura tes parents. Non, bien sûr que non. Bon, à samedi, alors. Salut. Alors, à samedi. Alors, on a trois problèmes. Petit 1, Solène vient, mais ses copines aussi. Petit 2, va falloir empêcher ses copines de parler à sa place. Petit 3, ma mère veut venir à la soirée. Et ça, c'est pas possible. Tu m'as pas dit que tes parents organisaient un truc samedi? Un dîner chicos avec les collègues de mon père. Mina, tu viens encore de me donner une idée géniale. Tu sais, je ne pense pas que ton père apprécierait qu'on invite une personne qu'il connaît à peine. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, ma grande. Comment ça se fait que c'est toujours papa qui décide de tout? À 20h30, vous voulez que j'amène quoi? Rien, vous êtes sûre? Ben d'accord, alors, c'est vraiment gentil de m'inviter, je... Ok, à samedi alors. Lou, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? J'ai accepté une invitation à dîner, la mère de Mina. C'est samedi en même temps que la soirée pyjama. Je pourrais pas être là. T'es pas trop déçue? Il faut accepter de voir un jour ses parents voler de leurs propres ailes. C'est dans l'ordre des choses. Je me demande parfois comment tu peux être aussi mature. Yes! Ah, vous voilà enfin. On n'attendait plus que vous. Oups, mince. C'était une soirée déguisée. Comment ça? C'est pas une soirée déguisée? Bon, ben, en tout cas, j'ai apporté de la musique. Vous avez vu, les filles? J'ai un nouveau pyjama. C'est pas le même que la dernière fois? Non, l'autre, il était rose. Mais vous êtes cloche ou quoi? C'était pas le même rose. Super fun, ta soirée. Presque aussi fun qu'un enterrement. T'inquiète, je vais arranger ça. Hé, hey, les filles, et maintenant si on jouait à Action Vérité? Ah non, maintenant c'est pile le bon moment pour regarder un film et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Vous permettez que je mette autre chose? Oui, oui, allez-y, évidemment. Vous n'êtes pas très rock, c'est ça? Le buffet est prêt. Je te félicite pour le choix judicieux de ton invité. En tout cas, elle est moins coincée que les tiens. Sympa, le mini sandwich. J'ai lu son dernier livre, Il baisse. Sa vision du structuralisme dans notre société moderne est d'un vulgaire. J'aurais souhaité qu'il parvienne à dépasser le moderne à la crème. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais rien, mon chéri. Voudrais-tu passer le reste de tes jours à mes côtés, douce Amandine? Je ne sais pas, car tu n'es qu'un simple palefrenier. Dites, les filles, ça vous dirait pas plutôt un bon film d'horreur? Pas plus fort que mon père, il est très musclé. Tu vas mourir, petite boule de mozzarella maudite. Je n'ai pas du tout dit mon dernier mot, mini tomate des enfers. Oh, flûte. Je suis partie. Mmh.
ma vieille, il ne faut pas te voiler la face. Tu passes la soirée la plus lourdingue de toute ta carrière d'être vivant. Un amazing hand. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aimerai toujours. C'est beau comme du vernis à ongles, la paillette dorée. Oh, et tellement romantique. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bataille de Polochon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est un flipper de collection. Robert interdit formellement d'y toucher. Tu veux dire qu'il a un flipper mythique comme ça chez lui et qu'il ne joue jamais avec? Évidemment, quelle idée! Tu veux pas essayer? Allez, juste une petite partie. Bon! Y'en a marre! Maintenant, on joue à action-vérité, sinon je réponds plus de rien. Bah tu vois, quand on leur parle gentiment... C'est vrai que c'est rigolo comme tout. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu y joues. Eh bien, si. Mais tu faisais quoi au collège après les cours? Mes devoirs. D'accord, ça devait pas être très marrant ta vie d'ado. C'est ce que je commence à me dire, effectivement. Hola, derrière vous, mon chat. Alors, Solène, action ou vérité? Vérité. Parfait, voyons. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander? Attends. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais jeudi soir chez Tristan? Bah, Tristan avait besoin de mes conseils en maths parce que je suis la première, alors je suis montée chez lui pour l'aider. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Et les rideaux? Pourquoi est-ce qu'il a tiré les rideaux? C'est moi qui lui ai demandé. Je voulais les voir en entier. Ils sont ridicules. Il y a des petites guitares dessinées dessus. Je le savais. Il aurait pas pu me faire ça. Pourquoi? T'es amoureuse de lui? Rien ne m'oblige à répondre à cette question. Je choisis action. Ok, alors moi je dis que tu dois téléphoner à Tristan et lui dire que t'es amoureuse de lui. Allez, dehors. Mais enfin, et la soirée pyjama, tu peux pas l'arrêter comme ça? Bien sûr que si, je peux. On n'a qu'à dire que c'est mon gage. Tu assures au baby-foot, dis donc. Tu dis ça pour être sympa. Quand je joue au baby, je suis jamais sympa. Lou, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Joss, ça te dirait une petite soirée pyjama? C'est-à-dire que... Et la soirée de Robert? Les invités? C'est toi qui vois. Tu sais quoi, maman? Tristan a des rideaux avec des guitares dessinées dessus. Génial. J'adore. Moi aussi. We'll be right back.
te réveille pas? Non, pas du tout. C'est que je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou deux, ou même trois, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Richard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films, tu vois? Non, on doit pas regarder les mêmes films. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette voix mielleuse ridicule? Je te préviens qu'avec moi, ça ne marche pas, ce genre de comportement hypocrite. Maman? Tu es où? Devant la gare de ton ignoble ville polluée. Et laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un bâtiment aussi laid. Bon, j'arrive. Alerte rouge, mamie débarque dans une demi-heure. Faut tout ranger. Oui, mais surtout, il ne faut pas qu'elle voie Richard. Ah bon? Mais pourquoi? Si vous osez mettre un pied chez moi, j'appelle le garde champêtre. Des fleurs. Vous vous croyez déjà à mon enterrement? C'est quoi cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps, elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures. Impossible. J'ai rendez-vous à 14 heures au parc avec Tristan. Ok, on dit 14 heures alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûre que le champ est libre. Ok? Bien, ok. Donnez-moi ça, espèce d'empoté. Hé, mamie! Ça sent toujours aussi mauvais dans ce quartier. Eh bien, reste pas planté là, laisse-moi donc passer. Ben, c'est que... on ne va pas à la maison. Comment ça? Maman est partie à un rendez-vous de boulot, alors j'en ai profité pour nous établir un super programme. Oui, bah d'abord, je monte ma valise. Je ne vais pas la prendre avec moi avec tous ces délinquants qui se promènent. Laisse, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans, des dictionnaires? Ben oui, pour mes mots croisés. Je crois que je vais la laisser chez la concierge. Je reviens. Ouais, il y a un truc pas clair au niveau du siphon. Il va falloir tout démonter. Ok, mais avant, si on prenait un bon petit déjeuner tous les deux, qu'est-ce que t'en dis? Pas d'accord. Une fuite, ça peut être très grave. Il faut que je m'y mette tout de suite. Je vais chercher mes outils. J'ai prévu d'aller au cinéma. Il passe à Luman, à l'Alhambra, vers 10h. À Luman? Qu'est-ce que c'est que ça? Un super-héros. Un homme rien qu'en aluminium brossé. Pas question que j'aille voir ce film. C'est sûrement encore une de ces cochonneries pleines de violence. Donne-moi ça. Il ne joue pas plutôt un bon vieux classique de cap et d'épée? Tiens, voilà la marquise des gueux avec John Swamp. Madame la marquise, vous m'envoyez navrée. Les matrices de condition de bourreau m'obligent à vous torturer. À force de faire la coquette, elle l'a pas volée. Je sais que vous ne faites que votre travail, Fernando. Mais apprenez que jamais je n'avouerai où se trouve la cachette de Geoffrey, le prince des gueux. Non, mais quelle cruche avec son Geoffrey! Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous faire vos commentaires un tout petit peu moins fort, s'il vous plaît? De quoi je me mêle, espèce de binoclard? Non, mais dites donc, restez poli. Un problème, madame? Oui, ce sauvageon m'empêche de regarder le film tranquillement. Quoi? Mais... non, mais c'est vous! Vous n'arrêtez pas... Monsieur, voulez-vous bien me suivre sans faire d'histoire? Laissez, mademoiselle, c'est nous qui allons sortir. Ce cinéma est trop mal fait, mais j'ai peur qu'il ne m'arrive encore d'autres bricoles. Attends! Il est trop tôt pour rentrer, il n'est que 10h30. Et alors? Et alors, notre super matinée ne fait que commencer. Et si on allait au centre commercial? C'est les soldes. Il y a des îlotiers? Ben oui, enfin, il y a des sortes de vigiles, quoi. Alors d'accord. Il va falloir que je creuse pour mettre un pansement. T'es sûr? Parce que bon, c'était une mini-fuite en fait. Perceuse. Mmh.
je suis vraiment contente que tu sois ici ce matin avec moi. Parce que tu sais, tu es... Enfin, je te trouve vraiment adorable, aimable, embrassable. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Alors, résumons-nous. T'aimes pas les fringues parce que la mode actuelle est ridicule, tu détestes les parfumeries à cause de la mauvaise odeur, et tu trouves que les magasins de disques ne vendent que de la musique d'épileptique? Franchement, mamie, est-ce qu'il y a une seule boutique ici qui trouve grâce à tes yeux? Une seule, oui. Celle-là. Caput, spécialiste européen de l'extermination des nuisibles. Enfin, un magasin digne de ce nom, hein? Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'anéantissement des termites, l'extinction des rats ou l'apocalypse des cafards? La destruction des taupes. Je vois. Aïe, booste book. Clé 12. Et voilà. Évidemment, elle est trop grosse. Tournevis. Non, pas un plat, un cruciforme. Tu veux pas faire une pause, dis? J'ai acheté de bons sandwichs. Non, pas question. Tant que je n'aurai pas réparé ce bon sang de tuyau, je pourrai rien avaler. Le Stop Taupe Premium est à 96 francs. C'est pas donné, mais il a été élu piège de l'année dans Taupe Mag. C'est hors de prix. Vous devriez avoir honte de vous engraisser sur le dos des pauvres gens. Je ne vous salue pas, monsieur. Attends. Ah, c'est pas vrai. Foutu matériel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Une pause. Dis, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à autre chose qu'à cette satanée fuite? Il me semble que c'est pour ça que tu m'as appelé, non? Oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh. Il faudrait savoir ce que tu veux. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause, moi aussi. Des quoi? Des choux de Bruxelles. Vous ne savez pas ce que c'est? Si, mais j'y ai... Mais pas dans mes kebabs. Ben, vous avez tort. Vous venez de perdre une cliente, en tout cas. Allô? Non, c'est raté, Richard est reparti. Oh, je t'expliquerai. Oui, tu peux m'envoyer mamie. Je n'ai besoin de personne, je vais la réparer toute seule, cette ridicule fuite d'eau, ok? J'ai faim. Dans cette ville, on affame les personnes âgées. C'est intolérable. Rentre manger à la maison si tu veux. Moi, je vais me balader au parc. Je t'accompagne. Une promenade digestive me fera le plus grand bien. Mais, mamie, t'as rien mangé? Dis donc, faudrait voir à pas me contredire toutes les deux minutes, hein? Oh, au secours! Ça coule toujours? Quoi? Tu peux peut-être trouver de quoi manger à la buvette? C'est ça, pour dépenser des fortunes et avaler des cochonneries surgelées? Non, merci! Hé, Lou, attends! Prête pour la balade? Tristan, je te présente ma grand-mère. Bonjour, madame. Hé, dis donc, mon garçon, c'est quoi cet accoutrement de voyou? Je t'interdis de fréquenter ma petite fille! Je vais vous laisser vous balader toutes les deux. À la prochaine. Salut, Lou. Tristan, attends-moi. Et voilà, encore une fois, on m'abandonne. Ah, triste monde. Je m'excuse de m'être emporté, mais quand je bricole, je deviens carrément imbuvable. J'avais remarqué. Et puis moi, en fait, tu sais, je m'en fiche un peu de cette fuite, tu vois. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ce satyre hirsute dans ta salle de bain? Richard, je te présente ma mère. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Je file. Bon, va. Et inutile de retenir, ma fille.
Une pizza au chou de Bruxelles? Madre mia, je vais la faire, mais uniquement parce que c'est vous. Au fait, elle t'a dit combien de temps elle restait? Malheureusement, non. Bouti, bouti, bouti. Ce qu'il est laid, ce greffier, et il sent mauvais. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ce parasite. Je vous signale que j'ai réussi à réparer votre fuite, contrairement au pervers d'en face. Même pas capable de changer un joint de robinet. Wow. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pizza au chou de Bruxelles. Tu vas adorer. Ça m'étonnerait. Le chou de Bruxelles devient infect quand on le prépare avec de la tomate. Oh, quelle journée, mes aïeux.